En 2012, un fait dramatique lève le voile sur une réalité jusqu'alors méconnue du public et des témoins de Jéhovah eux-mêmes. Pour la première fois de son histoire, la société Watchtower perd une bataille juridique mettant en cause son rôle dans les affaires d'abus sexuels sur les enfants. Les 13 et 14 juin 2012, la société Watchtower est condamnée par la Cour supérieure du comté d'Alameda, en Californie, à verser plusieurs millions de dollars de réparation, 21 millions en dommages et intérêts punitifs et 2,8 millions en dommages et intérêts compensatoires. Comment tout cela est-il arrivé? Entre 1995 et 1996, Candace Conti, aujourd'hui âgée de 26 ans, a été abusée à plusieurs reprises par un membre baptisé de la congrégation de Fremont North, en Californie. Candace avait seulement 9 ans à l'époque des faits. Mais son agresseur, Jonathan Kendrick, n'en était pas à sa première victime. Fin 1993, Kendrick avait déjà été convoqué par les anciens pour deux faits semblables et sanctionné en perdant sa charge d'assistant ministériel. Toutefois, ni les membres de la congrégation locale, ni la police n'ont été informés de ces actes. Bénéficiant de la stricte confidentialité entourant ces crimes, Kendrick a pu conserver la confiance des familles de la congrégation et gagner l'amitié des parents de la jeune Candace, avant d'abuser d'elle. Les anciens de la congrégation de Fremont ont par conséquent été condamnés par la Cour californienne à payer 910 000 dollars pour négligence. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi la justice impute-t-elle une plus grande part de responsabilité à la société Watchtower dans cette affaire et la condamne-t-elle à verser près de 24 millions de dollars de préjudice? Voici pourquoi. Le jury du tribunal a estimé que la politique des témoins de Jéhovah en matière de traitement des cas de pédophilie est illégale. Et ce, principalement pour deux raisons. Premièrement, la règle des deux témoins instituée par la société Watchtower. Si l'accusateur ou l'accusé refuse de participer à cet entretien avec les anciens, ou si l'accusé continue de nier les faits qui lui sont reprochés par un seul témoin et que la réalité de la faute ne soit pas établie, les anciens remettront l'affaire entre les mains de Jéhovah. Faites paître le troupeau de Dieu, page 73, paragraphe 39. Selon cette règle, si l'agresseur d'un enfant nie les accusations, comme c'est souvent le cas, alors les anciens pourront établir que l'abus a bien eu lieu seulement si quelqu'un d'autre que l'enfant peut en témoigner. Dans le cas contraire, le manuel des anciens leur recommande de laisser le problème entre les mains de Jéhovah. En d'autres termes, de ne rien faire. Si l'accusation est niée, les anciens devraient expliquer aux plaignants qu'ils ne peuvent rien faire de plus dans le domaine judiciaire. Et la congrégation continuera de tenir l'accusé pour innocent. La Bible spécifie qu'il doit y avoir deux ou trois témoins pour qu'une démarche judiciaire soit entreprise. La tour de garde du 1er novembre 1995, page 28. En règle générale, les anciens incitent les victimes et leurs familles à ne pas révéler l'incident aux autres membres de la congrégation. Des centaines de parents des victimes ont été excommuniés au motif de calomnie pour l'avoir fait. Deuxièmement, les anciens ont pour instruction formelle de contacter systématiquement le bureau de la filiale de la société Watchtower aussitôt qu'on leur rapporte une accusation d'abus sur enfant. Lorsque vous êtes informé d'une accusation d'abus sexuel sur enfant, vous devez immédiatement appeler le bureau de la filiale pour demander conseil, quel que soit l'âge de la victime à présent ou au moment des faits présumés, et même si ces faits datent d'avant le baptême de l'auteur présumé. Le bureau de la filiale fournira alors des indications tenant compte des circonstances particulières à chaque situation. Faites paître le troupeau de Dieu, page 132, paragraphe 18. Ceci est contraire à la loi. Les autorités de l'État doivent toujours être averties en priorité dès qu'un crime a été commis. Les anciens ne sont pas qualifiés pour enquêter sur des problèmes aussi sensibles que l'abus d'enfants. Seule la police est habilitée et entraînée pour gérer une telle situation. Mais la société Watchtower maintient sa politique. La filiale du pays doit être la première avertie pour pouvoir traiter la situation et communiquer aux anciens des instructions pour mener eux-mêmes l'enquête. En quoi la condamnation de la Watchtower obtenue par Candace Conti est-elle donc si importante? Selon les estimations disponibles,
plusieurs milliers d'enfants ont subi des sévices sexuels pendant de nombreuses années en raison de la politique illicite de la société Watchtower. Et jusqu'à présent, chaque fois que la société Watchtower a été impliquée dans une poursuite judiciaire relevant d'actes pédophiles, elle est parvenue à négocier une issue en dehors des cours de justice. En d'autres termes, les victimes d'actes pédophiles ont reçu de l'argent provenant des offrandes mondiales des congrégations en échange de leur silence. De tels arrangements ont été conclus un nombre incalculable de fois. Mais aujourd'hui, une page vient de se tourner. Candace Conti n'est pas intéressée par l'argent. Elle désire seulement que jaillisse la vérité et que justice soit rendue. C'est pourquoi elle est déterminée à n'accepter aucun arrangement financier, quel qu'en soit le montant, et à traduire la Watchtower en justice, quoi qu'il lui en coûte sur le plan émotionnel. Grâce à sa détermination, les dédommagements financiers obtenus vont finalement bien au-delà de ce qu'elle aurait perçu de la Watchtower pour étouffer l'affaire. Mais ce n'est pas le plus important pour Candace. Elle déclare « Je voulais être un témoin de Jéhovah exemplaire. Maintenant, je sens que je fais davantage de bien en aidant les autres enfants de témoins de Jéhovah que je n'en ai jamais fait en allant de porte en porte pour répandre la bonne nouvelle. » Peut-être pensez-vous, tout cela ne peut pas être vrai. N'hésitez pas à faire vos propres recherches sur Google et vous découvrirez que cette affaire a été publiée dans quantité de journaux réputés, comme le New York Times, le Washington Post, USA Today, CBS News, le Daily Mail ou MSNBC. Tout ceci est vraiment arrivé. Et même si de telles affaires ne paraissent pas dans les publications de la société Watchtower, personne ne peut plus les nier à présent. Bien sûr, la Watchtower a fait appel de la condamnation du tribunal de Californie. Cependant, quelle que soit l'issue du procès dans le temps, si vous êtes vous-même témoin de Jéhovah, vous devriez vous poser ces deux questions. Premièrement, êtes-vous heureux à l'idée que vos offrandes volontaires aient servi, et serviront encore, à verser plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts parce que le Collège central a transgressé la loi de César? Deuxièmement, si vous avez des enfants, cela vous réjouit-il de savoir qu'ils pourraient subir des sévices de la part d'un des membres de votre congrégation et que si cette personne ne passe pas aux aveux, l'affaire sera pour ainsi dire classée par les anciens? Les agresseurs de vos enfants auront ainsi toute liberté et d'en abuser d'autres. Prenez le temps de réfléchir sérieusement à ces deux questions, ainsi qu'à leurs implications sur le plan de votre foi. Rappelez-vous ces paroles de la Bible. Chacun dans cette vie doit obéir aux représentants de l'autorité, car il n'y a d'autorité que celle qui vient de Dieu, et les charges publiques ont été voulues par Dieu. Donc, celui qui résiste à l'autorité s'insurge contre un décret de Dieu, et ceux qui s'insurgent préparent leur propre condamnation. Romains chapitre 13, versets 1 et 2, Bible des peuples. En raison de sa politique interne qu'elle place au-dessus des lois de César, la société Watchtower est tenue pour responsable par les autorités de crimes commis sur des milliers d'enfants. Et ce, indirectement, avec votre soutien financier et moral. Aujourd'hui, vous avez le choix de ne plus tolérer cela. Que ferez-vous? Dès aujourd'hui, signez la pétition en ligne sur candaceconti.blogspot.fr.